Donc, c'est concernant la CEDEAO et tout le reste et toute la communauté internationale qui menace en quelque sorte pour les sanctions et tout ce que vous savez pour le 4 juin et tout et tout et tout. Donc, déjà, vous savez que moi, les manifestations, je n'apprécie pas. Ça, c'est mon point de vue, c'est personnel. Ça a toujours été ainsi. Certes, il paraît que c'est un droit, mais je ne pense pas que nous soyons dans un état de droit. C'est pas ça le problème. Le fait que le CNRD ait interdit les manifestations, moi je n'ai pas apprécié l'interdiction des manifestations. Je n'ai pas du tout apprécié cela. Voilà. Parce que je me suis dit, ceux qui sont contre le CNRD ou qui sont contre les 36 mois ou qui sont contre quoi que ce soit ou qui que ce soit, ils sont dans leur droit de ne pas vouloir, Omar, bah, mon frère, comment tu vas là-bas? De ne pas vouloir un truc. Ils sont dans leur droit. Ça, c'est normal. Vous savez, la révolte mentale et la révolte de l'âme est plus costaud que la révolte dans les rues. Mais bon, on ne peut pas se comprendre dans ce domaine parce que, bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Ce n'est pas ça le problème. Qu'on donne le droit aux gens, oui ou non, peu importe. Là où moi, le bas blesse pour moi, le CNRD a interdit. Ok, ça, c'est un autre point. Ce côté que je ne me comprends pas avec le CNRD ou peut-être une partie de la population, c'est le fait où la communauté internationale et aussi la CEDEAO, c'est le fait qu'une certaine partie de la population veuille faire croire que c'est tout le monde qui est contre le CNRD et son programme. C'est ce côté-là que j'ai du mal à comprendre. Il faut que ce soit clair. Il y a des gens, bonjour, il y a des gens qui soutiennent le CNRD. Il y a des gens qui soutiennent les 36 mois. Il y a des gens qui veulent plus que 36 mois. Ceux-là aussi, c'est leur droit. C'est là que ça ne va pas. Maintenant, si le CNRD donne le droit aux gens, partis politiques, peu importe, une partie de la population, c'est-à-dire ceux qui veulent, bonsoir, Balak Kamara, comment tu vas, mon frère? J'espère que c'est le nom, mais. Balak, ok, d'accord. Amirou Mangal, c'est pas grave si je suis dessus. Il y a des gens qui sont dessus depuis qu'ils sont nés. Ce n'est pas un problème. Qui ne risque rien n'a rien. J'attends d'être dessus. Ça dépend de ce que j'attends d'eux. Toi, tu ne peux pas savoir ce que j'attends du CNRD. Toi, tu es déçu parce que tu attendais quelque chose que tu n'as pas eu. Ça, c'est ton droit. C'est ce que je ne comprends pas chez les Guinéens. Pourquoi on veut toujours imposer aux autres ce que nous, on veut? C'est pourquoi je vous dis ici, moi, je n'influence pas quelqu'un d'autre. Je ne veux pas qu'une personne dépose son regret sur ma tête demain. Non, jamais. Je te donne ce que je pense, je te dis ce que je pense. Si ça t'arrange, tu fais. Si ça ne t'arrange pas, tu fais pas. Maintenant, pourquoi certaines personnes veulent que moi je fasse ce que eux veulent. Si je suis déçu, mon frère ou ma soeur, ça c'est mon problème. Ça ne va pas gâcher ton sommeil. Ça ne va rien changer dans ton programme. Je ne crois pas. Ou bien parce que tu ne connais pas ma vie. Même si certaines personnes sont les spécialistes de la vie des autres, ce que moi j'attends du CNRD, c'est moi qui le sais. Tu ne peux pas être dans mon ventre, tu ne peux pas être dans ma tête, tu ne peux pas être dans mon âme. Tu comprends? Il faut que ça se soit clair. Il y a des gens qui sont déçus aujourd'hui. Ça c'est leur problème. Et c'est leur droit. Je comprends qu'ils soient déçus. Je ne sais pas pourquoi ils sont déçus. Hein. Mais je comprends qu'ils soient déçus. Ceux qui sont contents d'eux, eux aussi, c'est leur problème. Je suis content pour eux. Je comprends qu'ils soient contents. Mais écoutez, c'est ça le gros problème. Il ne faut pas essayer de faire croire à la communauté internationale ou à la CEDEAO que c'est tout le monde qui est contre le CNRD. Et ça, je ne suis pas d'accord. Non, il y a des gens qui sont avec eux. Généralement. La transition, c'est un an, généralement où? Dans quel pays? Vous vous battez pour vos 1 an, mon frère. Vous vous battez pour vos 6 mois, ma soeur. Vous vous battez pour vos 10 ans. Chacun va se battre pour ce qu'il veut. Qu'est-ce qui fait peur dans cette histoire-là? Ça, c'est compliqué. Je vous ai dit, il y a des gens qui vont avoir la honte de leur vie cette fois-ci-là. Parce que si certaines personnes pensent que c'est toute la Guinée qui est avec eux, ils seront très très déçus. Si le CNRD donne le droit de manifester, ceux qui sont pour le CNRD aussi veulent leur droit de manifestation. Ça, c'est pas compliqué. Oui, je suis d'accord, d'autres ne sont pas d'accord, Pythagore. Ça, c'est normal. Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord veulent faire croire que c'est tout le monde qui n'est pas d'accord. Moi, je ne vais pas faire croire que moi, je suis d'accord, que ceux qui ne sont pas d'accord sont d'accord. Non. Il faut que chacun essaye de comprendre que nous sommes tous différents. Il faut que chacun essaye de comprendre que nous avons tous nos attentes. Certaines personnes que voulaient que M. Alpha Condé parte, pour d'autres raisons, je ne sais pas, je m'en fous de ça.
Moi, je voulais qu'il parte pour mes raisons, c'est mon problème. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Qui n'a pas fait de vidéo aussi pour appeler l'armée? Quand on appelait l'armée, on a dit des critères. Quelqu'un a dit non, moi, l'armée, il faut venir. Je veux un court, un clair, un métis, bon, qui a les barbes, qui n'a pas de barbes, qui a si. Quelqu'un a écrit les critères. Non, on voulait seulement qu'il parte. Maintenant, il y a ces gens dans ce cadre-là. Il y a d'autres qui aussi voulaient que M. Alpha Condé parte parce que pensaient que c'est leur leader politique qui va venir. Eux aussi, peut-être qu'ils sont contents, qu'ils ne sont pas contents. Ça n'engage que là-bas. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Quand j'entends des choses, la transition, c'est toujours un an. C'est toujours un an où. Mon frère, pose-toi la question, si tu es dans un pays normal, comme c'est ça depuis des années, pose-toi la question, si tu es dans un pays normal, comment ça se fait qu'on peut avoir tout ce qu'on a et puis on n'a pas d'eau pour se laver? Pose-toi cette question. Donc, si tu es dans un pays anormal, ça veut dire que ce peuple-là, une partie de ce peuple-là est anormal. Et que tout ce qui va arriver dans ce pays-là ne sera pas normal. Maintenant, quand vous et moi, nous allons comprendre cela, nous allons essayer de voir les choses d'une autre manière. Mais chacun n'a qu'à voir comme il veut. Ça, c'est son problème. Voilà, c'est une illusion, mon frère. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a une incohérence dedans, comme le pays même lui-même, il est incohérent. Si le pays-là n'était pas incohérent, nous n'allons pas avoir à chaque fois des élections et qu'il y ait toujours deux gagnants. Vous ne trouvez pas que ça, c'est incohérent? Vous trouvez que ça, c'est normal? Vous trouvez que dans un pays, que tous les partis politiques soient à base ethnique, vous trouvez ça normal? Ça, c'est pas normal. Mais comme ethniquement, cela vous arrange, vous n'en parlez pas. Ou bien, moi, quelqu'un ne va pas me mettre sur sa route. Là où, ce que j'ai envie de faire, là, c'est ce que je vais faire. Si je vais 5 ans de gouvernance du colonel Mamadi Doumbouya, je me battrai pour ça. Et je n'ai même pas besoin de quelqu'un pour ça. C'est moi qui vais me battre pour ça. J'ai juste besoin de mon créateur. Celui qui veut écouter ça, lui aussi n'a qu'à se battre pour écouter. Ça, c'est compliqué. Pourquoi on veut m'imposer et me faire croire que ce qui se passe n'est pas normal? Ce n'est pas normal pour certains, je les comprends. Mais ils n'ont qu'à se battre. Moi, je n'ai dit à personne ici de ne pas se battre. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Mon frère, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, il faut vous préparer. Il faut que le CNRD se prépare, que le CNRD comprenne qu'il peut y avoir deux possibilités de deux manifestations. Ceux qui sont pour, ceux qui sont de leur côté, et ceux qui sont contre leur façon de faire ou contre eux. Maintenant, ça aussi, ça sera incohérent pour certaines personnes, parce que ces gens se disent que eux, ce qu'eux veulent là, c'est ça. Non, chacun n'a qu'à se battre pour sa cause. Et personne ne va lever ça à son prochain. Personne n'a ce pantalon ou ce panier là. Il n'y en a pas. Même à Hilbar, ça n'existe pas. Tu ne peux pas imposer ce que toi tu veux tout en sachant que tu es en perte de vitesse, tout en sachant que tu es en échec. Si cette démocratie-là n'était pas un échec, Mamadi Doumbouya ne serait pas là. Il ne serait pas là. Non, on serait sur autre chose aujourd'hui. On serait déjà loin sur d'autres problèmes. Mais nous sommes toujours en train de parler de passeport et il a trouvé cette situation-là. Nous sommes toujours en train de parler d'eau et d'électricité. Il a trouvé cette situation-là. Quand tu dis fous-nous la paix, il faut dire fous-moi la paix à toi. Il ne faut pas parler pour les autres. Parle pour toi-même. Ta malédiction que tu donnes tous les jours, ça ne marche pas bien. Walaykoum salam batouli. Comment ça va? Ma soeur, j'espère que tu vas bien. Je ne vois pas ce que vous faites sur cette page-là. Je ne dis pas à quelqu'un de partager. Je ne dis pas à quelqu'un de venir. Ou bien, je parle seulement. Mais ce que je veux là, souvent ça se réalise. Donc, mashallah, je remercie Allah et tout. Et au passage, je remercie le CNRD pour cette histoire de bourse. Ils ont nommé Hadia, la ministre qui était ministre avant de l'enseignement préuniversitaire ou quelque chose comme ça. Ça fait très très longtemps qu'il va un peu s'occuper de ça. Je pense que les bourses et autres, il faut les... Comment on appelle ça? Il faut informatiser tout cela. Il faut arrêter cette histoire de main à main là. Les étudiants doivent avoir leur compte bancaire là où ils sont et vous transférez par étudiant ou vous transférez, je ne sais pas, un truc de ce genre. Il faut qu'on dépasse ce stade-là. Parce que tant que ça passe main à main ou je ne sais pas, il y a une méthode de trafic, il y a des gens qui ne vont pas recevoir. Ça va être un peu compliqué. Ça va être, bon, on va se retrouver dans toujours ces mêmes problèmes. Donc, c'est une très très bonne chose. Certes, la dame est là à la retraite, mais... Elle pourra donner de bonnes idées, elle pourra contrôler, elle pourra gérer. C'est-à-dire, ça sera comme un conseiller, à mon avis. Parce qu'elle a, elle a un certain âge, elle a une petite expérience et tout. Voilà, donc pourquoi pas, pourquoi pas.
Voilà, j'espère que ça va marcher pour les boursiers parce que nous avons parlé de ça il y a quelques jours. Même hier, chez AmTrotv, j'en ai parlé. C'est très, très important parce que ceux-là attendent ça pour vivre, pour leur transport. Ça les aide un peu tout et tout et tout et tout. Donc, voilà. Donc, ceux qui veulent soutenir le CNRD, n'ayez pas de complexe pour ça. Vous êtes dans vos droits. Quel que soit bo votre bord politique, quelle que soit votre ethnie, s'ils sont en train d'aller dans votre sens et que ça vous arrange, vous les soutenez avec votre cœur, avec votre âme, dans vos prières. Chacun a sa façon de soutenir. Celui qui n'a pas envie de soutenir le CNRD, tu ne le soutiens pas. C'est ton droit. Mais il ne faut pas faire croire le contraire. Ce n'est pas tout le peuple de Guinée qui est contre le CNRD. Non. Donc, moi, je demande au CNRD, peut-être il y aura deux problèmes. C'est-à-dire, il y aura un problème. C'est-à-dire, quand on va donner le droit à tout le monde de manifester, ça va faire une pagaille, comme à une pagaille. Parce que ceux qui vont manifester pour, le pays sera un peu pénalisé quelques jours. Ceux qui vont manifester contre, quelques jours aussi, ça va jouer sur l'économie, ça va jouer sur tout. C'est-à-dire, il y aura deux coups, il y aura deux problèmes. Sinon, il n'y a aucun problème. C'est pas le même jour que les gens vont manifester pour dire que vous allez vous arrêter ici, l'autre va s'arrêter là. Non! C'est même pas une question de nombre, c'est une question de qui manifeste. Voilà! Qui est en train de manifester? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de manifester. Hein. Et il ne faut pas penser que quand quelqu'un manifeste, il n'a pas l'habitude de manifester, il est forcément payé. Mais celui aussi qui est pressé de venir au pouvoir, ça veut dire que lui aussi, il paye les gens pour manifester. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi nous aussi, on ne dit pas ça? Ceux qui sont pressés de venir au pouvoir, ce n'est même pas sûr qu'ils viennent. Donc, eux aussi sont en train de payer. Non, mais non, on ne le dit pas. Mais si tu ne veux pas de CNR, mon frère, il faut te battre. Tu es en train de te battre, non? Ou bien ça ne donne pas? Il faut te battre, c'est ton droit. Je ne vais pas t'enlever ça. Mais tu ne veux pas m'enlever ce que moi aussi je veux. Ou bien? Maintenant, chacun va se battre à son niveau. Donc, faire croire, je ne sais pas quoi. Non, il y a plusieurs facteurs. Il y a une partie de la population qui est déçue de ces hommes politiques, qui est déçue de cette classe politique, même dans leur propre parti. Ça, c'est même pas un débat. Voilà. Et chaque fois qu'il y a vote, nous le savons, avant et après ces problèmes. Avant et après ces problèmes. Donc, pour l'instant, je pense que les gens qui soutiennent le CNRD, et puis ceux qui ne soutiennent pas le CNRD, c'est pas la peine de me regarder. Quand je parle du CNRD, là, ne me regardez pas. C'est ce que je disais aux RPGistes, parce que je vais dire des choses qui vont vous faire mal. Non, ils ne vont pas me regarder. Il faut connaître comment une personne. Tu regardes la vidéo d'une personne une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Tu dois connaître la personnalité de la personne. C'est-à-dire, comment est cette personne? Marie Sitoko là, comment elle est? Comment je suis là? Où je suis là? Pour soutenir Mamadi Doumbouya, c'est moi qui vais décider de quitter là-bas. Je lui apporte la force là-bas. Je ne lui apporte pas la force là-bas. C'est Dieu seul qui sait ça. C'est Allah seul qui sait ça. Hey, je n'ai même pas de vue. Vous voyez, non? Je ne suis pas connue. Je ne suis rien. Je ne suis pas influenceuse. J'ai 6, c'est zéro partout. Mais je le soutiens quand même. Je le considère comme mon cadeau. C'est moi qui le considère. Ce n'est pas mon cadeau, mais c'est moi qui le considère comme ça. Donc, je demande à Allah de faire de lui un bon musulman, de le guider. Le colonel Mamadi Doumbouya et tout ton groupe là, rapprochez-vous de votre créateur. C'est lui la solution. Toute la Guinée n'a qu'à sortir. Les autres pays n'ont qu'à se rajouter. Rapprochez-vous de votre créateur. Vous tous, toute votre équipe, rapprochez-lui de lui. Les jeûnes, les prières de nuit, tout ce qui est islam, faites-le. Il ne faut pas avoir de complexe pour ça. Non, 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 il ne faut pas avoir. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à dire ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent faire. C'est la seule solution. Si vous me regardez, vous savez que plus vous vous rapprochez d'Allah, vous voyez les résultats tous les jours, vous le sentez sur vous-même. Quand vous délaissez un peu la prière et la prière de nuit, dès que vous commencez à délaisser ça aussi, vous le ressentez sur vous-même. Donc, il faut le faire. C'est la seule solution. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas parce que telle personne m'a soutenu. Ce n'est pas parce que telle personne ne m'a pas soutenu. Peut-être le soutien des gens qui sont très, 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 très proches d'Allah, ça peut vous aider. Mais même ça, toi-même, celui qui t'a créé, celui qui a créé Idi Amin, celui qui a créé Sadiba, celui qui a créé tout ce qui est en train de me regarder là, celui qui a tout créé. Donc, il peut t'aider à cause de quelqu'un qu'il aime. Mais toi aussi, il peut t'aimer plus que la personne qu'il est en train d'aimer. Donc, tu te rapproches de lui au maximum que tu puisses, au maximum de ton espérance. Tu te dis, si je veux rester ici, je veux faire quelque chose pour ce pays, la seule solution, c'est mon créateur. C'est la seule solution, ce n'est pas autre chose.
c'est pas la CEDEAO, c'est pas les États-Unis, c'est pas la communauté internationale. Non, 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 c'est pas les urnes. Ça n'a rien à voir. Ce peuple-là qui doit te soutenir, sers d'abord ton créateur. Il va influencer sur leur cerveau. Il a la technique, là. C'est lui qui sait comment il doit faire cela. Donc, moi, je redis au CNRD de ne pas paniquer ou quoi que ce soit. L'affaire des réseaux sociaux, là, si ça donnait quelque chose, ou peut-être là où ça a donné, ce n'est pas dedans pour l'instant, mais si ça donnait, on les connaît. Si vous vous êtes venu attraper M. Alpha Condé par respect aujourd'hui parce qu'il est en position de faiblesse, si vous l'avez attrapé comme un oiseau, ça veut dire que ceux-là qui le soutenaient doivent se poser la question aujourd'hui que qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché. Ceux aussi qui cherchent le pouvoir depuis longtemps et que ça ne s'est pas arrivé, ça ne s'est pas passé, eux aussi doivent s'asseoir aujourd'hui que ah, Facebook là, vraiment, qu'est-ce qui se passe. Donc vous-même, vous pouvez jouer sur ça. Vous savez qui est qui ici, qui fait quoi, le comment, le pourquoi de la chose. C'est tout. Il faut se comporter ainsi. Il faut savoir. Abakar Pythagore Kamara, ma soeur, vous avez reçu combien la main sur le Coran? Vous avez. J'arrive. Chaque chose en son temps et son jour. J'arrive, hein? Merci, mon frère. Chaque chose en son temps et en son jour. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai comme Coran. C'est écrit. Essai de traduction du Coran. C'est ce que moi, je lis. C'est en français. J'ai recommencé. J'ai terminé la prise de guerre. Voilà. Je ne sais pas comment on jure sur le Coran. Je ne sais pas le faire. Je vais me débrouiller comme je peux. Voilà. Je jure. Je ne sais pas, excusez-moi, vous pouvez me montrer si c'est comme ça. Voilà le Coran. Je jure sur le Saint-Coran, que ce soit le CNRD, n'importe quel parti politique en Guinée qui m'ait donné quoi que ce soit depuis que j'ai commencé ces vidéos ici ou les publications ici, qu'Allah me punisse de la pire des manières à partir d'aujourd'hui. Mais si seulement si, je n'ai jamais rien reçu de qui que ce soit, depuis que j'ai commencé ces vidéos, toutes les formes. Et si seulement si, mes 5 prières, je ne prie pas pour que Allah amène ce pays-là sur son chemin à lui. Pour que Allah fasse que la Guinée soit sur le chemin islamique. Qu'Allah juge entre moi et ce peuple. Qu'Allah regarde, je suis une femme. Toutes les nuits, toutes mes 5 prières, je me lève, je le fais pour l'humanité. Je le fais pour mon pays. Maintenant, celui qui sait comment on juge, si ce n'est pas comme ça, viens me montrer. Qu'Allah juge entre moi et ce peuple-là, qui refuse de comprendre ce que je suis en train de dire. Je ne pardonnerai pas le peuple de Guinée, ici et à l'au-delà. Donc, c'est ce que je peux faire. C'est comme ça que je sais qu'on fait. Maintenant, ceux qui sont en train de m'accuser, Allah subhanahu wa ta'ala, si je suis seulement, si je suis avec toi, il faut les punir. Que l'humanité en parle. Maintenant, si ce n'est pas comme ça, ceux qui vont me faire la remarque pour dire que ce n'est pas comme ça, je recommencerai. Maintenant, je défie toutes les personnes qui parlent sur Facebook de faire pareil que moi. Ceux qui ont reçu avant et maintenant, ils n'ont qu'à faire pareil que moi. Voilà. Moi, vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Je suis sur Facebook parce que je n'ai pas une autre solution. C'est ici que je peux parler pendant longtemps. Si on me donne la parole dans les médias, ils vont cadrer ce que je dis. La Guinée est petite dans mon réseau. Wallahi, vos présidents du monde là, ils sont petits pour moi. Un musulman qui est avec Allah, même si tu as 5 ans, toute l'humanité est devenue petite devant toi. Donc, il faut prier. Si seulement si, je dis, hein, si seulement si, je veux seulement dans mon cœur et dans mon âme que l'islam triomphe. Qu'Allah fasse de Mamadi un bon musulman. Si j'ai prié et que Allah a accepté ma prière, je n'ai pas dit de c'est moi, j'ai dit si. Pour ce pays, pour quoi que ce soit, pour quel que ce soit le combat, qu'Allah juge entre moi et ce peuple de Guinée qui boit, qui fume, qui se drogue, qui est haineux, qui est sale. Qu'Allah juge. Et il jugera. Maintenant, je défie tous ceux qui parlent sur Facebook ici de le faire honnêtement et sincèrement. Et j'invite n'importe quel religieux de venir sur ma page,
de me montrer comment on jure sur le Coran. Si ça, ce n'est pas un bon Coran, d'amener un bon Coran, je vais jurer sur ça. Mais lui aussi va jurer, vous. Et vous aussi, vous allez jurer. Mais je vous ai dit, laissez la page là. Laissez cette page là. Quand je suis sur une cause là, vous n'êtes pas pour la cause, laissez la page. Pardon. Parce que vous allez vous mettre dans des trucs. Moi, mon Daika là, ça ne va pas loin, go. Je suis très proche de mon créateur. J'ai compris le business du monde. J'ai compris que c'est par là-bas. C'est ce que les autres ne comprennent pas. Maintenant, je vous dis que je vous mets au défi. Tous ceux qui parlent, on va leur apprendre à comment jurer. Vous allez prier contre eux. Vous allez, tous les Guinéens, prier contre moi. 13 millions. Allah, si Marie Sissoko n'est pas sincère avec toi, si elle ne se bat pas pour que tu triomphes dans ce pays, pour que l'islam triomphe dans l'humanité dans ce pays, il faut lui faire ça. Je vous donne l'autorisation. Il faut le faire. Voilà. Donc, Mamadi Doumbouya, je vais le soutenir. Maintenant, je ne vois pas pourquoi moi, mon petit soutien là, vous dérange. C'est ça que je ne comprends pas. Je n'ai pas de visibilité. Je ne suis pas connue. Rien du tout. Pourquoi ça vous embête? Maintenant, j'attends. Hein? Je ne regarde pas les vidéos des gens. Hein? Mais ceux qui seront au courant qu'ils ont fait pareil que moi, je vous dis deux choses. Je vais répéter. Si ce n'est pas comme ça qu'on jure sur le Coran, si ce n'est pas le bon Coran, amenez-moi quelqu'un ici. Il va amener le bon Coran, je vais jurer. Il va parler, je vais répéter. Parce que moi, c'est la première fois que j'ai fait ça. Peut-être que ce n'est pas bien fait. Maintenant, tous ceux qui sont en train de défendre la Guinée, les religieux-là n'ont qu'à passer sur leur page. On va faire comme ça. Si vous êtes sûr de vous. Voilà, c'est ça. Parce que dans ce pays-là, on ne peut pas soutenir quelqu'un. C'est là votre malhonnêteté. Quand je vous dis que vous êtes avec Satan, vous ne pouvez rien faire si on ne vous paye pas. Voilà ma cause. Moi, je vais venir m'asseoir ici. Vous pensez que Mamadi Doumbouya même, il va me respecter? Vous pensez qu'il va me respecter s'il me paye? Moi, vous me voyez, quelqu'un va me réveiller. Quelqu'un va me dire, va dire ça. Moi, vous n'avez rien compris. Peut-être que c'est à cause de moi que votre Guinée là va brûler. Moi, laissez-moi tranquille. S'il vous plaît. Quand je suis en train de soutenir un truc, vous n'êtes pas avec la chose, ne venez pas sur ma page. Vous vous désabonnez. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. J'ai juste besoin de mon créateur. C'est tout. Je ne dis pas à quelqu'un de partager. Il y a des partis politiques, je ne parle pas d'eux. Quand je ne suis pas sur la même route que toi, là, je te laisse, je t'oublie. Donc, je veux que ce soit réciproque. Quand tu vois que ce que je dis là, ça ne t'intéresse pas, c'est pas grave. C'est pas grave. On n'a qu'à partir d'un Ninonda. C'est bon. Quand je vois que je ne suis pas sur la même route que toi, je te laisse. Quand vous voyez là que cette dame-là, ce qu'elle soutient, ça ne m'arrange pas. Vous me laissez. C'est-à-dire vous quittez ma page. Quand je fais les vidéos, là, vous ne venez pas. S'il vous plaît, je vous prie. Parce que quand je demande tout ce que je demande à mon créateur, il le fait. Surtout quand je demande comme ça, là, avec mon cœur et avec mon âme, comment ça se passe là. Moi, je veux qu'Allah juge entre moi et ce peuple. Hein? Donc, ce n'est pas vous. Vous êtes petit dans mon réseau. Si vous, ce pays-là, avec tout ce que vous avez, jusqu'à présent, aucun érudit, aucun imam, aucun marabout, aucun karamouko n'a déjà jamais dit que on n'est pas sur le chemin de Diego. Personne ne l'a dit. C'est une femme qui le dit ici. Moi, au lieu de me respecter, vous verrez si vous écrivez les injures. Maloka que fait qui t'y fait à la main. Ou démocratie n'a pas soutenu fait la Guinée. À la rabira bof. Ou homme politique n'a pas soutenu fait la Guinée. À la rebou, à le moukio qui n'a pas zéro bouma. Réfisant també. Réma kore à la rentambé. Mon amadé. Qu'on a ramoua kore à la rebé. À la ramassé la Guinée Kébé. Moi je n'ai pas un autre combat, je vous ai dit. Je veux que Allah montre que ce peuple n'est pas sincère avec lui. C'est ça maintenant mon combat. Qu'il montre que vous n'êtes pas sincère avec lui. Si vous étiez sincère avec lui, si la Guinée était sincère avec Allah, on n'allait pas être là aujourd'hui. Il y a plus gros fumeur de cannabis que le Guinéen qui ne fume pas de cannabis en Guinée. Ce n'est pas interdit. Par l'islam, c'est interdit. Il y a combien de bars à tous les carrefours? Ce n'est pas interdit. C'est interdit. Qui en parle ici? Si ce n'est pas moi. Les produits éclaircissants, ce n'est pas interdit. Qui les vend? Qui les consomme? Ce ne sont pas vos filles.
Ce ne sont pas vos filles, ce ne sont pas vos femmes, ce ne sont pas vos neveux et vos nièces. Pourquoi vous n'en parlez pas? Ce n'est pas cela que vous regardez ici. Awa peuple de Guinée, Mbara aura fait kiti fi arma. Awa ma kiti, wotan moutan. Ne rien nous à la fait mounemane. Parce qu'il y a toujours des exceptions partout dans le monde. Il y a un petit groupe qui est là, qui prie pour l'islam, qui est là, qui est avec Allah, qui n'a pas de route. Qu'Allah leur donne la route. Mais oubliez ma page, oubliez-moi. Ça, c'est une prière. Parce que je vais rentrer dans une phase qui sera très, très dangereuse. Je le dis devant tout le monde là. Ceux qui ne sont pas avec Mamadi Doumbouya, ceux qui ne me font pas confiance, ceux qui pensent que je suis vendue, ceux qui pensent que je suis hypocrite, ceux qui pensent tout ce qui sont en train de penser de négatif, que je ne suis pas, ne me regardez pas, désabonnez-vous. Je n'ai pas besoin de vos vues, je n'ai pas besoin de vos partages, je n'en ai pas besoin, je les fais savoir, je les fais connaître. Je vous le dis encore, je le répète, oubliez cette page, oubliez Marie Sissoko. Si elle a été à un moment donné dans la vie de quelqu'un, aujourd'hui la personne se rend compte qu'on n'est pas sur la même voie, c'est comme ça la vie. Donc oubliez-moi, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont dans cet état d'esprit-là, qui pensent que je suis lâche, que je suis hypocrite, que je suis vendue, Allah jugera entre vous et moi, ici et à l'au-delà. Mais oubliez la page là-là. Moi, je n'ai pas besoin de Julie. Celui dont j'ai besoin là, lui et moi, on se connaît. Lui et moi, on sait comment faire entre nous deux. Voilà. C'est-à-dire, ça ne doit pas vous déranger. Je ne comprends pas ça. Soutenir Mamadi Doumbouya, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dedans? Je suis en train de combattre quelqu'un. Je n'ai pas de fusil, je n'ai pas d'arme, je n'ai rien. Quelqu'un vient, il le prend. Je vais combattre cette personne aussi. Mais ça veut dire que j'avais une autre ambition. Ça veut dire que ceux qui sont en train de combattre Mamadi Doumbouya aujourd'hui, ce sont eux les hypocrites et les lâches. C'est eux qui n'ont pas eu ce qu'ils veulent, c'est eux les vendus. Mais c'est ça la vérité. Pourquoi moi je vais être vendue? Vous pouvez prendre vos courants, jurer dessus. J'attends vos religieux. Tous vos Walis, ils sont invités sur la page-là. Tous vos Walis de Guinée, dites-leur de venir. Je ne suis rien. Ils peuvent venir. Je vais jurer. Oui. Eux aussi n'ont qu'à jurer. S'ils sont vraiment en train de servir leur Allah, là, ils n'ont qu'à jurer. Nous allons tous jurer cette fois-ci-là. Donc, voilà. Si tu es sûr de toi, tu ne dois pas avoir peur de quelqu'un. Non. Tu dois avoir peur de ton créateur. Je suis dans mes droits. Je soutiens qui je veux. Mon soutien n'apporte rien à personne. Mon soutien ne donne pas de force à qui que ce soit. Maintenant, pourquoi ça dérange tant? Pourquoi ça vous dérange? Hein? C'est très très bien. Je suis dans le mangeoir. Ceux qui ne sont pas dans le mangeoir là, ils n'ont qu'à jurer sur le Coran eux aussi. Ou bien, tes hommes politiques aussi, ils peuvent jurer sur le Coran eux. C'est pourquoi vous ne gagnez pas ce que vous voulez. Parce que vous vous attaquez à qui il ne faut pas s'attaquer. Pourquoi c'est Alpha qui me payait? Pourquoi ceux que je soutenais là, eux ils ne m'ont pas payé? Le parti politique que tu étais, pourquoi tu ne dis pas qu'eux ils me payaient? Vous avez vu comment vous êtes injustes? Vous voyez comment certaines personnes sont injustes? Ils laissent Alpha, ils prennent Alpha Condé, ils laissent son parti politique. Mais parle de ton parti politique aussi, parce que toi je te connais. Je te connais ici. J'ai soutenu ton parti politique ici pendant à peu près un an, plus que qui que ce soit. Pourquoi eux ne m'ont pas payé? Tu as vu? Tu as vu l'injustice, tu bosses ton bagage sur les autres, tu laisses pour toi. Donc, moi, on a fait Kiti Fi, Alama, Kiti Sa, Mengen, Alana, Kiti Sa, Rasa B, Rasa Alkiam. C'est tout ce que moi je peux dire. Je n'ai rien d'autre à dire. Mais votre démocratie, là, elle sera suspendue. Et il y a des gens, Inch'Allah, 35 ans avant qu'ils reviennent en politique en Guinée. 35 ans, Inch'Allah. Mamadi Doumbouya, s'il part, c'est Allah qui sait. S'il part par coup d'État, je vous promets entre 3 et 5 coups d'État. Inch'Allah. Donc, il faut garder la vidéo. Nous allons voir. C'est ce que je vous dis. Nous allons voir qui est proche de son créateur dans ce pays-là. C'est ça mon problème. Oui, je ne suis pas fâchée. Je suis en train de dire ce que je pense être juste. Pourquoi dans ce pays-là, quand tu dis la vérité de quelqu'un, lui sa vérité, tu es bien. Quand tu dis la vérité de quelqu'un d'autre, tu n'es pas bien. Mais ça même c'est de l'injustice. Tu ne te rends pas compte que comment la personne a dit ta vérité aujourd'hui,
elle peut dire la même vérité de quelqu'un d'autre, ou bien toi, ta vérité là, c'est toi seul que ça appartient. Tu as le monopole de la vérité. Toi seul, tu as le monopole de la vérité. Mais non. Donc, laissez-moi, laissez cette page-là, oubliez-la. Je n'ai pas besoin de visibilité. Je n'en ai pas besoin. Wallahi. Je le dis. Celui qui veut se désabonner, il faut te désabonner. Féou. Et m'effacer de ton âme, de ton esprit, de ta vie. C'est très très clair. Et je défie toutes les personnes qui défendent la Guinée. Je vais répéter encore. Amenez vos religieux à qui vous faites confiance. On n'a qu'à les faire juger. S'ils n'ont jamais rien bouffé. Ils n'ont qu'à juger. Et il faut faire des dankas. Je vous autorise à tout Guinéen de faire des dankas sur moi. Tout le monde, faites à partir d'aujourd'hui là. Il faut commencer ça. Maintenant, si c'est faux, ça va se retourner contre vous. Hein. Si c'est vrai, je vais le sentir. Hein. C'est ça. Si vous êtes d'accord avec ça, moi, je n'ai aucun problème. Mais il n'y a pas de moyen de pression. Moi, pour m'enlever là où je suis, il n'y en a pas. Voilà. Il n'y en a pas. Hein. Vous devez comprendre ça. Dans la vie, il faut comprendre que tu as ton contraire. Dans la vie, il faut comprendre qu'il y a des êtres humains qui sortent de l'ordinaire, qui ne font pas tout comme tout le monde. Moi, je vais me lever, je vois ce qui n'est pas normal, je soutiens la personne, corps et âme. Ça, c'est ma nature. Mais le jour que je vois que la personne là et moi, on ne va pas sur la même route, je te laisse. C'est tout. Maintenant, où est le problème dans ça? Soutenir mon mari de Mouya, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dedans? C'est la chose la plus normale que je puisse faire. Normalement. C'est la chose, c'est le minimum que je puisse faire. Le minimum, c'est ça que je peux faire, soutenir le monsieur là. Ah, et je vais le soutenir. Et plus, moi, plus qu'on me traque, plus je me braque. Plus on me traque, plus je me braque. Parce que moi, ça fait longtemps, je n'ai même pas fait de vidéo de soutien. Ça fait très très longtemps. Ces jours, si je parlais de passeport et les bourses et autres, et quoi là, et les retraites. Les boursiers aussi vont payer. Les gens de passeport aussi, eux aussi vont payer. Mais vous, vous croyez que mais tout le monde est comme vous. Quiconque tu vois, lui, tout le monde est payé. C'est quelqu'un qui fonctionne avec l'argent. Quiconque tu vois, lui, tout le monde est ethno. Ça veut dire que c'est un ethno. C'est-à-dire qu'il y a rien. Il y a même un manakine. Mais il faudrait savoir que comme tu es là, tu as ton contraire. C'est comme ça que la vie est. On a tous nos contraires. En bon, en positif, en négatif. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Pourquoi vous voulez coûte que ça parte de votre sens à vous? Pourquoi les Guinéens ou certains êtres humains sont comme ça? Si vous m'avez dit que Dieu m'a payé, je m'assois ici, je dis qu'il m'a payé, vous allez me faire quoi? Logiquement, honnêtement, qu'est-ce que vous allez me faire? Quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Simple curiosité. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous savez pourquoi je n'aime pas qu'on me paye? Hmm? Parce que le jour que je veux quitter derrière toi, je quitte derrière toi. Le jour que ça ne me convient pas, là, je quitte là. Tu ne peux rien faire. C'est pourquoi je n'aime pas les histoires de paye là. Et je trouve ça rabaissant. Je trouve ça que quelqu'un vienne me regarder. Je parlais de ça la fois dernière. Je ne suis pas honnête avec la personne. Donc le jour qu'on me paye, je vais vous dire. Je l'ai dit dans une vidéo il y a quelques jours. Je vais dire qu'on m'a payé. Maintenant, ceux qui payent là, eux, ils n'aiment pas qu'on dise que la personne les a payé, qu'ils ont payé quelqu'un. Peut-être c'est pourquoi les gens ne me payent pas. Et puis, je n'ai pas de visibilité. Dans la tête des gens, c'est la visibilité. Ils ne comprennent pas. Ce que moi, j'ai fait là, ça n'a rien à voir avec la visibilité. Je n'ai même pas besoin de faire de vidéo. Ce que je veux, je sais comment l'obtenir. Mais il y a quelques personnes ici qui attendent ce que je dis. Mais même s'ils sont sans, à cause de votre sorcellerie, de votre ADN sorcellerie développée, je ne vais pas sévrer ces gens-là à cause de vous. Non, même s'ils sont cinq, ces cinq-là, pour eux, c'est important. Je ne sais pas ce qu'ils représentent dans la société. Je ne le sais pas. Donc, vous ne voulez pas quelque chose. Toi, tu ne veux pas quelque chose, tu veux bloquer les autres dans ça. Mais ça, c'est quoi ça? Tu ne veux pas soutenir mon mari de moi. Mais ne le soutiens pas. Toi, tu es déçu de mon mari de moi. Il faut que je sois déçu de lui. On a le même problème. On a le même programme. On a la même façon de voir les choses. Mais certainement pas. Même les jumeaux.
même père, même mère. Il y a des gens, même dans les familles, vous voyez, il y a des gens qui sont opposés, qui sont à l'inverse, complètement. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de grave dans ça? Tu combats quelqu'un, celui qui vient d'enlever, tu combats celui-là aussi. Ça, c'est, mais ça, c'est quel genre de combat, ça? Si ce n'est pas un Guinéen, qui peut se comporter de la sorte? Je n'ai même pas envie de critiquer ça, parce que ça n'est même pas important. Moi, je parle des sujets du jour. Je suis en transition. Il y a un président. Il n'y aura plus de président dans ce pays-là. C'est Mamadi Doumbouya, le président de la République. Entre 3 et 5 ans, Inch'Allah. Ça sera comme ça. C'est de lui que je vais parler. Je ne parlerai pas de quelqu'un d'autre. C'est lui qui est mon président. Si j'ai dit que j'ai voté dans ma vie, c'est pour lui que j'ai voté. Parce que si je dis que j'ai participé à l'arrivée de quelqu'un au pouvoir, directement ou indirectement, avec ma négativité, c'est à lui. Donc je dois le soutenir. Ça, c'est mon droit élémentaire. Et je m'octroie ce droit-là. Personne ne peut m'enlever ce droit. Tu peux écrire ce que tu veux. Tu peux fuir ma page. Il faut même te désabonner. Ça ne va rien me faire. Rien du tout. Rien du tout. Maintenant, tu ne veux pas le soutenir. Ne le soutiens pas. C'est ton problème. Moi, je ne me rends même pas compte qu'on ne le soutient pas. Je ne m'en rends même pas compte. Vous me voyez ainsi répondre quelqu'un. Moi, je ne réponds pas à les gens parce que je ne les regarde pas. Il y a deux groupes ici. Ils échouent tout le temps. Mais, dis donc, c'est pas clair, c'est pas propre. Il n'y a que les Guinéens qui ne peuvent pas comprendre ce genre de choses. Tu vois l'échec, tu te jettes dedans. Moi, je ne suis pas née pour perdre. Je ne suis pas née pour réussir. Mais je ne suis pas née pour perdre. Quand je mène un combat, je gagne. Mashallah. Je demande à Allah de me faire gagner. Maintenant, là où ça perd, là, il va m'enlever là-bas. Parce qu'il ne veut pas ma honte. Voilà, c'est ça. Je reprends les commentaires. Parce que ces commentaires-là, de temps en temps, je suis d'accord avec les 36 mois. Mais les 36 mois sont petits, mon frère. Les 36 mois sont petits. Moi, je vais 5 ans. Tu me demandes pourquoi? Moi aussi, je te demande pourquoi c'est petit pour toi. Tu as tes idées, non? Je le respecte. C'est pourquoi je dis, celui qui veut se battre, il n'a qu'à se battre. Regardez-moi des conneries comme ça. Zidane Bararaba, dis-vous, mon frère, ça va? Ah, il t'a l'air, madame, il faut bien que je vous dise. Elle est vendue, elle est payée. Dites à vos gens qui communiquent de jurer sur le Coran. J'attends vos religieux, vous. Je les attends. Prenez rendez-vous, vont venir ici, on met sur WhatsApp. WhatsApp Visio. Ils s'asseyent. Il montre le Coran, comment on fait là? On me montre parce que ça là, je ne sais pas si c'est bien fait. On va faire. Tout le monde va le faire. C'est bon là-bas. Moi, je vais 5 ans. Là où je suis assise là. C'est parce que mon mari Doumbouya là. Moi, je ne suis pas en contact avec lui. Si moi j'étais en contact avec Mamadi Doumbouya, au bout de 6 ans, 6 mois, vous allez voir la Guinée comment ça allait être. C'est la foutaise là même qui me fait mal quoi. Namorena Nama. Ah, Mamadi Doumbouya, appelle-moi. Tu vas m'enlever le monnaie, le foutaise là. Je vais te dire comment on gère ce pays là. Tu vas voir en 6 mois. Je ne veux rien, c'est gratuit, c'est cadeau. En 6 mois, toi-même tu vas dire, donc j'ai retardé. Hein? Regardez-moi des bêtises comme ça là. Vous pensez que tout le monde va être comme tout le monde veut? Non, chacun fait ce qu'il peut faire. Tu peux ne pas être. Vive le CNRD, Massa. Vive le colonel Mamadi Doumbouya. Qu'Allah le protège, qu'Allah fasse de lui un bon musulman. Il m'a fait plaisir. Allah est passé par Mamadi Doumbouya pour me faire plaisir. Oui. Par l'amour que j'ai pour mon créateur. Et si j'ai la sincérité pour mon créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fasse de cet homme un grand homme. Qu'il fasse en sorte qu'il ne soit pas humilié, lui et toute sa descendance. Qu'il me fasse, c'est une doléance que je demande à mon créateur. Toute personne qui essaie de le combattre, qu'Allah l'anéantisse. Qu'Allah fasse qu'ils ne peuvent même plus se lever pour combattre là, le système du démon. Les démocrates là. Vous nous fatiguez, dis donc. Laissez-nous tranquilles. Vous avez échoué. Nous allons mettre cette démocratie en stand-by pour l'instant. Elle sera en stand-by. Chacun n'a qu'à rectifier son tir. Chacun n'a qu'à voir ce qui n'a pas marché dans son parti politique. Chacun n'a qu'à voir ce qui n'a pas marché dans son ethnie. Chacun n'a qu'à voir ce qui n'a pas marché dans sa société. Au bout de 3, 4, 5 ans, 6 ans, j'en sais rien. C'est Allah qui sait.
On revient maintenant, on sait qui est qui, on vote correctement et normalement. Ça, c'est compliqué. Il ne faut pas faire les erreurs du passé. Il ne faut pas faire comme Konaté. Il ne faut pas faire comme... Mais ce n'est pas le même groupe de partis politiques. Pourquoi vous ne dites pas aux partis politiques de ne pas faire les mêmes erreurs du passé? Les mêmes erreurs du passé, mais ça va dans les deux sens. C'est deux personnes qui font des erreurs. C'est comme ceux qui se font payer pour parler, ça ne donne jamais. C'est pourquoi je ne veux pas qu'on me paye. Parce que moi, je veux que ça donne ce que je fais. Si on me paye là, mon âme est partie ailleurs. C'est ça aussi. Ton âme va ailleurs. Ton âme est en train de faire ce qu'il ne veut pas. Ton âme n'est pas en symbiose avec ton cœur. Ton âme n'est pas sincère. Le jour que quelqu'un va me payer, je vais le dire. Et puis, vous ne pouvez rien. Je viens m'asseoir ici. Je dis, colonel Mamadou Doumbouya m'a donné 10 000 euros. Les 10 000 euros, là, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai même payé des partageurs. J'ai pris des gens, je les ai formés pour communiquer. Vous allez faire quoi? Dites-moi. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais à ce moment-là, je ne serai pas tellement maître de moi-même. Je serai sorti du cadre. Ce n'est pas bon pour mon avenir. Ce n'est même pas pour le Guinéen ou pour les gens là qui n'ont même pas de route là. Les gens qui ne savent même pas où aller. Des gens qui sont perdus. Ce qui est bien pour eux, ils ne le savent même pas. Quelqu'un qui ne sait pas ce qui est bien pour toi, tu penses que je vais te suivre? Quelqu'un qui ne sait pas ce qui est bien pour lui, tu penses que je vais lui dire quoi? Je n'ai rien à lui dire. Il n'a qu'à sortir. Mamadi n'a qu'à sortir par la grande porte ou la petite porte, peu importe. Je sortirai avec lui, ce n'est pas un problème. C'est vous qui bavardez trop, mon frère. Je vais bavarder, je suis sur ma page. Je ne t'ai pas appelé ici. Je ne t'ai même pas dit de partager. Ou bien je t'ai dit de partager. Tu m'as entendu du lycée à quelqu'un partager? Non. Hey. Hey, il faut vous taper. C'est vous qui savez là-bas. Si vous voulez vous taper, vous vous tapez. Si vous voulez monter au ciel, vous montez au ciel. Il n'y a aucun problème. Moi, je n'interdis à personne de monter au ciel. Je n'ai jamais interdit à qui que ce soit de faire ce qu'il veut. Mais vous n'allez pas m'interdire. Quelqu'un ne va pas m'interdire. Si quelqu'un pouvait m'interdire, c'était le RPG Arc-en-Ciel. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Je ne les regardais même pas. Hein? Ils ont parlé, parlé, parlé. Ce que je voulais là. Allah a fait. Il est passé par Mamadi. Donc, le Mamadi là aussi, je vais le combattre. Mais dis donc, Moutan, ça va. Hein? Ça, c'est quel genre de combat ça? Qui peut comprendre ça? Quelqu'un qui est censé. Tu peux comprendre ça? Quelqu'un qui est censé. Moi, je vais encore m'asseoir ici, combattre Mamadi Doumbouya là. Mais dis donc, il ne faut pas me prendre pour une idiote. Il ne faut pas me prendre pour une idiote quand même. Ça n'a pas de sens. Si tu es normal, tu vas dire que la dame là, elle est incohérente, mais elle était là tous les jours à crier, crier, crier. C'est Mamadi Doumbouya qui a fait contre Alpha Condé. Mais c'est quoi son problème? Mais non, 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 c'est Mamadi Doumbouya là, je le soutiens. Il faut qu'il me paye pour que je le soutienne. Préparez vos courants, préparez vos religieux, je les attends, hein. Les religieux de votre choix. Moi, je n'en ai même pas, je ne vais même pas entendre, j'attends les religieux de votre choix pour faire le tour des pages. La plupart des gens qui parlent ici, c'est des musulmans. La plupart des gens qui parlent ici, c'est des musulmans. Donc, il fallait, celui qui a écrit l'affaire de Coran, là, mon frère, merci. C'est pourquoi de temps en temps, il faut lire les commentaires. Tu as fait une très bonne chose aujourd'hui. Donc, vos communicants, il faut les préparer. Tous ceux qui sont sur Facebook, vous êtes là pour la Guinée. Ceux qui sont musulmans, le Coran. Ceux qui sont catholiques, Bible. Protestants, je pense qu'ils ont leur Bible aussi. Nous allons maintenant à la nouvelle phase. Parce qu'il faut que nous montrons notre sincérité. Je l'avais déjà dit depuis longtemps. Quand on te paye, tu t'assois ici, tu le dis. Qu'on m'a donné tant. Moi, je vis de ça. C'est ton droit. Moi, j'ai vu de ça, on m'a donné temps, hein. Et puis celui qui te regarde, c'est lui qui sait s'il va te regarder. Donc, si on a payé quelqu'un, ce qu'il dit là, ça vous intéresse, vous n'allez pas le regarder. Mais il y a des gens qui cotisent ici, qui payent des gens. Vous les regardez ou bien vous ne les regardez pas. Vous les regardez. Maintenant, vous vous foutez de qui? Quand on a mon travail à vous, hein? On a mon travail à vous, alors moi, je suis un sens interdit. Je vous ai déjà dit ça. Ne me regardez pas. Quittez la page là. C'est moi-même qui le dis. Il faut quitter cette page. Voilà. Celui qui veut partager, comme celui qui écrit la partager, tu partages. Tu ne veux pas partager où? Ça gâche quoi? Rien du tout. Donc, Antaranaki, Mamadi Doumbouya, voilà. Mon soutien qui n'est rien là. Je te le donne. Si j'ai une petite clé là, je te le prête. Mon petit parapluie blanc là, il faut rentrer sous ça. Avec toute ton équipe, hein? Rentrer sous mon petit parapluie là.
Vous aussi, c'est vous demain qui allez m'enfermer, qui allez me mettre en prison. Ça sera mon destin, mashallah, c'est Allah qui sait. Maintenant, si je ne peux rien apporter à ce pays-là, si je n'ai rien qui peut donner quoi que ce soit à quelqu'un, j'aurais dit que c'est une perte de temps pour moi-même, que la honte m'attend, je l'aurais mérité. C'est-à-dire, le mal qui arrive à Moussa Alpha Condé, il l'a mérité. Le bonheur ou le malheur qui va arriver à Mamadi Doumbouya, il l'aurait mérité. Le bonheur ou le mal qui va m'arriver, moi, je l'aurais mérité. Mais quand le bonheur ou le mal arrive à toi, ta personne que tu aimes, lui ne l'a pas mérité. Quand ça arrive à toi-même, il ne l'a pas mérité. Ça, c'est la justice. Ça, c'est la justice, ça. Mais non. Il faut te mettre à la place de ton prochain. Moi, j'ai horreur des gens qui veulent m'imposer des choses et qui mentent sur moi. J'ai horreur de ça. Je déteste ça. Je déteste ça. Mais aussi, c'est un fait du politique fait quoi? Alors, on a fait quoi? Ne fais plus n'entendre ton yenge fait dans le visible ou l'invisible, quel que soit ton bord politique. L'affaire de dire là que moi je suis payé, wallahi, Allah n'a quitté sa mère. Allah n'a quitté ma fourambe. Allah n'a pas pu la faire. Il a dit que je ne suis pas un bébé. Il a dit que je ne suis pas un bébé. Il a dit que je ne suis pas un bébé. Et ne fais plus ça de faire. Qu'aimer déclarer. Khalim ne tana nyama ya khabu biri na yerbi dunia khafa leta na alfa kondi na yerbi eta na ndangiru mama di dumbu ya ma Allah subhanahu wa ta'ala na alfa kondi na yerbi ne re ko biri rasu ma facebook ma bi enu muta manu ko ne re ma rasu fi eta menge Allah subhanahu wa ta'ala eta ne kan ye kulun ta me kulun nta ngalo wa ne gambira mbe re ma ken dunia khetu la gine ke fanta fa fe na ala fe ne feu nta mu ne ra fe anta mita ka mu ra fe mba Allah subhanahu wa ta'ala na kiti eta na fa sa ma ya na fa sa mbe mais toi bien net à l'ami et t'as n'ira me récolter t'as n'ira aller me récolter n'ira saluer mes filles et mon fils n'ira saluer fait itambe n'ira également sauver à créer un monde et t'as n'ira me coller quand on t'a mis la ginette t'as n'ira qui balie qui m'a maradé fini maradé c'est mara moi mon est dunia colo quand la ginette n'est itananga qui la roma quand la ginette n'a fait pas tenir t'as moi mon nom mon mère n'a pas bambé il faut avoir mon kioki quand il faut avoir fourré n'a n'ira bagager ma part qui femme mon sera ba qui nous gina nous mera gina won na ba qui mon sera ba ba Allah subhanahu wa ta'ala yekere nan na kulu nda mo mo na kulu ndi yi kana plaisir na bambe Allah ko yi kai mo ne ba ma gi mo ne ba mbem ma mo ne na kan fa na ko dala gi mo ne ba ma ne ma abale ni nali